Nous remercions bon Dieu pour le moment ça lui permet nous là à se faire. Et nous disons grand merci parce qu'il protège nous, il ben nous la vie que nous pas acheter, nous pas besoin n'importe côté nous passer, nous pas besoin de ça acheter. Et nous remercions bon Dieu à se faire encore le fait que chacun de nous sommes là pour nous capables offrir un service à Dieu, notre Père. Nous avons une lecture par le bon Dieu, c'est dans Ésaïe chapitre 6, du verset 1er au verset 9. Ésaïe chapitre 6, du verset 1er au verset 9. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 10 ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont se couvraient les pieds, deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements. À la voix qui retentissait et la maison remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, ont vu le roi éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi et tenant à la main une pierre ardente, avait prise sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disait: Qui enverrai-je et qui m'achève pour moi, pour nous? Je réponds: Mais voici, envoie-moi. Parole du Seigneur. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de pardon, Dieu de miséricorde, nous bénissons à toi pour le privilège que nous, Seigneur, d'être que nous sommes en présence. Est-ce que la vie nous capable d'une façon pour nous adorer ou? Nous remercions parce qu'on prend soin de nous-mêmes. Excusez-moi. Nous te dirigeons nous durant toute semaine là, et assurons encore nous en présence. Nous demandons béni chaque monde qui a écouté la Seigneur. Chaque monde qui a apprécié le message là. Permettre qu'il soit capable de li nan espri yo et tout ça mwen pral di yo nou pa vyen de mwen-même non pas pour faire vanta à mwen-même pour parler de mwen-même mais pour parler de ou-même en tant que Dieu fidèle en tant que Dieu d'amour mando béni nous servir avec nous comme un instrument et protéger la vie nous pour que nous capables toujours prendre parole au nom de Jésus amen. La paix avec nous. Amen. La paix de Dieu avec nous, chrétiens, dans le Seigneur. Amen. Faut nous mettre nous à cela, parce que quand il s'agit de la parole de Dieu, faut nous mettre nous en façon pour nous servir bon Dieu. Parce que, rappelez bien vous, lorsque, si c'est un côté, nous allons nous faire, côté, nous allons recevoir un grand, peut-être nous allons dire un magistrat, un président, et tout le monde a mis à cela pour être capable d'entendre les gens qui parlent.
Mais pas oublier, nous avons un monde qui est plus haut que tout le monde, ça, que nous avons parlé de lui-même, qui est bon Dieu dans le ciel. Là. Lorsque nous venons dans la maison, bon Dieu, nous devons mettre nous à cela pour nous écouter la parole de Dieu, chanter des prières, dans des chants, parce que c'est ça pour bénir nous. C'est ça pour édifier nous, pour nous capables de faire la différence entre le monde qui est dehors et nous-mêmes, nous autres chrétiens qui sont dans l'église, qui ont servi bon Dieu. Et d'ailleurs, mais que nous avons tout le monde qui était toute activité, parce que la Bible dit que l'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Cela veut dire que là, nous pas non temple, mais automatiquement, il y a un monde qui a parlé de bon Dieu, nous devons quitter toute activité, oublier toute bagaille pour nous mettre nous à l'écoute de ça qui serviteur ou bien servante la dire, parce que c'est la parole de Dieu qui a parlé, il n'a pas parlé de parole. Amen. Amen. Et dans le passage côté nous sommes liés, il parlait de nous, et de Esaïe, qui était le prophète Esaïe. Si nous t'avons le message là, on dit, il a dit nous la vocation d'Esaïe. Il parlait de nous l'année du roi Ozias. Rappelez-vous bien que le roi Ozias, c'était un roi en Israël qui t'a servi l'Éternel bien. Et l'Éternel était parmi les rois, il t'a servi l'Éternel fidèlement et il a détourné de mauvaises voies que les autres rois ont fait, mais il t'a servi l'Éternel très bien. La Bible parle-nous de la mort du roi Ozias. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 26, du verset 1er au verset 23, il parlait de la mort de roi Ozias. Roi Ozias, c'était un homme qui a servi l'Éternel très bien et qui a eu une sorte de fougue. Il a servi l'Éternel, il a parlé pour l'Éternel et il était détaché de l'idole, détaché de toute bagaille, mais pour te servir et l'Éternel. Le roi Ozias passait 52 ans, il régnait 52 ans à Jérusalem. Un bon jour, roi Ozias rempli d'orgueil, alors c'est pas de Ozias n'a parlé, mais n'a fait un rappel parce que parole a parlé de l'année de la mort du roi Ozias. Un bon jour, le roi Ozias rempli d'orgueil et il prend parfum, il prend encens, il appelle au fruit dans le temple qui part mission le roi Ozias. Les sacrificateurs viennent après lui pour dire qu'on s'appelle, ou pas qu'il doit savoir, ça par mission. Et roi Ozias refusait au tempérer. Le roi Ozias continuait. Là, la Bible dit nous avons près de 80 prophètes. 80 sacrificateurs venus, comme si pour empêcher Ozias, c'est ça qu'on le faire. Mais Ozias attendait. Ozias rempli d'orgueil. Ozias rempli de fureur, parce qu'il sentit tellement chef, tellement roi, tellement de puissance, par le monde qui a empêché. Et la Bible dit nous comme ça que lorsque tout ça a fait avec roi Ozias, il de refuser à accepter. Et la Bible dit comme ça, dans le temple même, l'Éternel frappait le roi Ozias avec un lèpre. L'Éternel frappait le roi Ozias avec lèpre parce que le roi Ozias n'a pas obéi à ça l'Éternel te dit. Par exemple, bien, lorsque l'Éternel t'a placé tout là, parce que tu as les 12 tribus d'Israël, chaque t'a gagné objectif yo. Chaque te gagne, bagay yo te gagne doit faire. Si vous pas un sacrificateur, vous pas faire tout passe si dans famille les vite, vous pas qu'on ka offrir sacrifice à dans temple là. Mais Ozias te veut montrer force orgueilli et que Ozias te allé. La Bible dit nous comme ça et la mort du roi Ozias lorsque nous lisons ça non. Et dans 2 Chroniques, chapitre 26, la lèpre emporta le roi Ozias. Et ceci, en 7
139 avant Jésus-Christ, et le roi Ozias a passé 52 ans comme il régnait à Jérusalem. Cette année-là, qu'Ésaïe a débuté son ministère, l'année qui suivit de la mort du roi Ozias. Ésaïe parlait dans Ésaïe chapitre 6. Il dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Cela veut dire que c'est dans vision et Esaïe, il voit que l'année qui suivit de la mort du roi Ozias, l'Éternel est dans le temple et rade l'Éternel est tellement splendissant, les robes de l'Éternel est tellement élargie, il remplit le temple. Et de là, Esaïe a demandé ça qu'a passé parce que l'Éternel seulement rade lui remplit le temple. C'est un problème d'adou. Lorsque des chrétiens ont prié, ils ont évoqué l'Éternel avec une sincérité. Cela veut dire que c'est un problème d'adou. Temple vient rempli comme un œuf. Il n'y a pas rien qui est capable d'infiltrer là. De là, ça, la Bible dit nous constat que l'Éternel remplit temple, remplit et remplit temple. Et il dit comme ça que des séraphins, ce sont des anges qui accotaient l'Éternel. Des séraphins, c'est des anges ça, que l'Éternel plaçait à côté de lui-même. Il dit comme ça. Des séraphins s'étenaient au-dessus de lui, en parlant de Dieu. Les séraphins s'étenaient autour de lui et avaient chacun 10 ailes. Excusez-moi, chacun avait 6 ailes. Cela veut dire que pour démontrer comment que l'Éternel est dans son temple, habillé dans, et là, et dit, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Lorsque l'Éternel est dans le temple, c'est comme si le temple rempli de cet esprit. Temple rempli, ça veut dire temple tellement rempli, pas de côté pour gagner là-dedans. La Bible dit nous consacrer, des séraphins se tenaient au-dessus de lui et avaient 6 ailes, donc, il s'est couvert la face, dont s'est couvert les pieds et deux sont pour voler. Ça veut dire que les ailes de Séraphin, ils étaient là pour que des ailes couvrent la face de Dieu. Des ailes pour couvrir les pieds et des ailes pour voler. Pour voler, pour capable aller au ciel. Cela veut dire que mon Dieu était tellement rempli temple et temple la Bible dit nous comme ça, l'Éternel était tellement rempli temple, cela veut dire par un côté, c'est tellement les séraphins qui étaient là pour t'a donné gloire à l'Éternel. Et qui ça t'a dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Qui ça t'a chanté gloire à Dieu. Je t'ai prononcé des paroles vraiment qui montraient que bon Dieu est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des Dieux, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu puissant. Cela veut dire que Esaïe lui-même était dans songe là que c'est ça que lui-même il t'a prouvé. C'est ça qu'il t'a vécu pendant qu'il était dans songe là. Pas oublier, la Bible dit nous concernant, c'est l'année qui suivit de la mort du roi Ozias, que Esaïe commença son ministère. Esaïe était commencé pour montrer comment, et dans vision Esaïe, comment ouais, l'Éternel remplit le temple. Et la Bible dit nous consacrer,
Yo t'a dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de gloire. Toute la terre pleine de gloire. Toute la terre se mettait à genoux. Toute la terre se face à terre pour recevoir le roi de gloire. C'est pour montrer que comment que lorsque l'Éternel vient, lorsque l'Éternel un côté, cela veut dire pas gagner, pas gagner feedback, pas gagner côté pour capable passer et la puissance de Dieu, la force de Dieu est tellement étalée, est tellement élargie, pas gagner côté pour Satan paraître, pas gagner côté pour méchant paraître, parce que l'Éternel est rempli de gloire. Et il dit nous consacrer les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait. Les portes, cela veut dire les portes du temple sont ébranlées. Temple et porte, temple tellement l'Éternel tellement rempli dans le temple. C'est un coup d'adou qui a verrouillé. Pas de monde qui est capable d'ouvrir. Pas de monde qui est capable de rentrer parce que l'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel est là. Pas de monde qui est capable de sortir ou comme si ou t'as fait quoi, fait quoi que ce soit. C'est ça que Esaïe, ouais, dans la vision que il était, ouais, pendant que Esaïe a commencé son ministère. La Bible nous consacre. Et les fondements et la maison remplie de fumée. Cela veut dire que maison, maison, temple, t'es rempli de fumée. T'es rempli de la fumée. Que personne, pas même moi, qui s'est passé, mais tellement la gloire de l'Éternel remplit temple. Tellement la gloire de l'Éternel est dans son Saint-Temple. Et Esaïe dit comme ça. Alors, Esaïe dit. Alors je vis, je dis malheur à moi, je suis perdu. Ça veut dire que Esaïe tellement a regardé avec yon yeux qui quelqu'un même n'est pas capable d'identifier. Esaïe perdu dans tout ça l'a regardé, tout ça l'a voyé. Comment l'Éternel remplit temple, comment l'Éternel remplit en dedans. Plan et les séraphins qui se tenaient autour de lui et à chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. C'est pour vous montrer que comment Esaïe, lorsque Esaïe a commencé ministère pour que l'Éternel te voyait un message clair par le prophète Esaïe. Et de là, les lèvres et j'habitais au milieu des peuples. Et ça, Esaïe te répondit. Oh, il te dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ça veut dire que Esaïe dit comme ça, moi-même, c'est un monde. Lève-moi, parole-moi. Ça capte dans la bouche, ce sont des choses impures. Ce sont des choses qui ne sont pas propres. Comment moi-même, je remplis, comment je recevoir un monde qui est puissant comme ça, un monde qui est en force, qui est en étendard comme ça. C'est ça, Esaïe te dit. Et elle dit comme ça, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et les yeux ont vu le roi. Et ça, elle dit comme ça, m'habite parmi un peuple que parole yo pas sincère, yo bouche yo remplie d'amertume, bouche yo remplie de paroles fausses. Et de là, Esaïe dit comme ça, moi-même, comme et yeux moi ont vu le roi. Yeux Esaïe ouais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et de là l'Éternel des armées, c'est comme ça Esaïe t'a parlé. C'est comme ça Esaïe t'a raconté dans vision que il t'a fait comment il ouais bon Dieu. Lorsque bon Dieu t'est là pour te montrer comment que lui-même il t'a fait confier yon message, il t'a confié yon tâche à Esaïe pour te porter parole ça vers peuple Israël.
Rappelez-vous bien, la Bible dit nous comme ça, l'année qui précédait la mort du roi Ozias, lorsque roi Ozias était mort, parce que roi Ozias, il était tellement fait ça qui pas bon, pendant que lui-même, il était dérefusé, obéi, il était dérefusé, obtempéré, lorsque les sacrificateurs te dirent que lui-même, il pas rien droit rentrer dans le temple pour offrir pas faire. Et là, Ozias pas ton pays. Ozias te croit que c'est lui-même qui voit et que l'Éternel te frappe lui par des lèvres. Et de là, il te prend Ozias et il te mettait dans un caille pour contre lui, pour jusqu'à ce que le roi Ozias te mourir. La Bible dit nous constater c'est dans l'année ça que Esaïe t'a fait recevoir le message que l'Éternel t'a confié à lui-même. Message que l'Éternel t'a dit que vous-même, c'est vous m'a servi avec lui pour porter parole ça au peuple Israël. La Bible dit nous constater que, mais l'un des séraphins volait vers moi et tenant la main une pierre ardente. Qui un séraphin a été fait, il volait vers Esaïe et il portait une pierre ardente, une pierre comme et une pierre pour qui réchauffer, une pierre qui réchauffait pour montrer que comment Esaïe gagne une mission spéciale que il doit faire. Comment Esaïe gagne une parole que lui pourrait porter vers le peuple Israël. La Bible dit nous constater, avant que avait pris sur l'autel avec des pincettes. Comment engendrer pour pierre à d'autres pierre réchauffée à son débat, il te prend avec pincettes. C'est la vérité, il te prend avec précaution. Et de là étant, lui dit. Il parlait avec Esaïe. Il en toucha ma bouche. Et il dit, ceci a touché mes lèvres. Ça veut dire que ange là, t'a touché bouche Esaïe. Il touchait lèvres lui. Il dit, ton iniquité est enlevée. Ange là dit comme ça que iniquité et qui est tout yo et tout ça la peur qu'on gagne yo et tout ça yo yo retiré et de là étant et il tendait une voix qui dit qui enverrai-je et qui va parler pour moi voix te dit que ça qui est-ce monde m'a voyé au peuple ça pour annoncer parole ça Esaïe te dit envoie-moi. Et l'Éternel te servit avec Esaïe pour porter le message de la parole de Dieu, pour porter pour dire au peuple Israël, mais qui ça l'Éternel gagne pour eux-mêmes. Mais comment que l'Éternel voulait que vous devez servir lui. Et Esaïe te porte un message à ma peuple là, parce que tu recevras un message de Dieu. Et de là étant, Esaïe commençait son ministère. Lorsque Esaïe commençait son ministère, il était capable d'annoncer au peuple là comment bon Dieu lui-même voulait pour le peuple sa servir. Rappelez-vous bien, dans la vision Esaïe, comment l'Éternel te remplit ton plan. Robe, il dit, les pans de sa robe remplit ton plan. Et de là, tu gagnais des séraphins, et chaque séraphin a gagné 6 ailes. Zèle ça a gagné 2 pour couvrir pied, 2 pour couvrir figure, et 2 pour te voler. Parce que dans la mission angio, yo te là pour donner gloire à l'Éternel. Et yo t'a dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu. Vision Esaïe a te ouais comment? L'Éternel t'est rempli temple Jérusalem là. Comment est-ce que Esaïe
Dans la vision, il te voit comment l'Éternel remplit ton plan. Et lui-même, il message que Esaïe te gen pour porter, te gen pour recevoir, pour porter bad pep ça. La problème, peuple là, c'est ton peuple rebelle. Son peuple qui, jodi a avec l'Éternel, demain si Dieu veut, il a changé. Lorsque gagnons roi, qui a servi l'Éternel, qui remplit mission libre, qui servit bien devant l'Éternel, peuple a marché bien. Mais automatiquement, que vous jouez des rois qui détachés de l'Éternel et attachés à l'idolâtrie, peuple a même tombé dans l'idolâtrie. Et de là, l'Éternel a gagné une mission pour peuple. Mission pour peuple, ce n'était pas Esaïe pour te voir une mission ça, pour dire peuple que vous devez repentir. Pour dire peuple Israël que l'Éternel veut que peuple ça quitte tout ça au affaire. Et si vous ne quittez pas, que peuple ça est pour aller en captivité. Peuple là, c'est pour aller en captivité de le fait que vous avez refusé admettre que l'Éternel, c'est Dieu par eux, c'est Dieu qui te fait les ancêtres sortis dans le pays d'Égypte. L'Éternel te bat Esaïe aux missions bien précises pour que mission ça que Esaïe te gagne dans mes lents pour te annoncer le peuple là. Et lorsque l'Éternel te dit qui est-ce monde pour ta joindre, pour le voyer annoncer message ça au peuple Israël, Esaïe te dit envoie-moi. Et Esaïe te prêt pour aller accomplir mission ça. Mais ce n'était pas ton mission qui était aussi douce, ce n'était pas une mission qui était aussi facile. Mais aller devant roi et majorité dans le peuple, dans roi Israël, c'était roi qui était idolâtre. Malgré qu'on connaît qui ça l'Éternel te fait pour le peuple Israël, comment l'Éternel te choisi, peuple Israël, comment l'Éternel te servi avec le peuple Israël pour jusqu'à ce que vous arrivez dans le côté de mais vous-même, vous êtes détourné de la voie de l'Éternel, vous êtes attaché à d'autres dieux, à Dieu qui n'est pas qu'à faire pour vous-même. La Bible dit nous consacrer la mort après, et l'année de la mort du roi Ozias, c'est là que l'Éternel t'a choisi Esaïe comme serviteur pour porter message. Et le ministère d'Esaïe commençait et de recevoir les prophéties de l'Éternel de ça qui est capable de venir après, parce que si le peuple n'a pas corrigé, si le peuple a refusé d'admettre que l'Éternel c'est lui-même seul pour le servir, mais malheur cap bien pour eux-mêmes. Esaïe est allé éviter annoncer le peuple là. Mais malgré ça, le peuple a été fait la soupe d'oreille, mais il a été refusé catégoriquement admettre à la parole de Dieu. C'est pour vous dire, mes chers amis, mes frères et sœurs, lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, mes conséquences qui sont capables de gagner pour nous-mêmes, mais qui ça qui est capable de venir parce que automatiquement pas obéi ou gain conséquences pour pas le payer puis devant. Peuple Israël là te quitté et te joint l'autre nation qui t'est sorti dans l'autre pays et un point en captivité et yo t'allé à Babylone et yo passé 70 ans en esclavage en captivité. Ma ça fait ça c'est parce que peuple ça te désobéi l'Éternel. Yo te refusé admettre à principe que l'Éternel a établi pour eux-mêmes. Et ça qui fait Habakkuk éduquer l'Éternel est dans son saint temple que toute la terre fasse silence devant lui. Ça veut dire que lorsque l'Éternel là tout le monde doit obéir à lui-même. Et nous pas doit grand monde que nous doit obéir plus que l'Éternel. Ou pas doit pas obéir maman, ou doit obéir papa, ou doit obéir, mais moun qui créé là, moun qui fait là, moun qui fait que ou a respiré là, qui a pris souffle là, c'est moun ça pour bailler gloire. Ou mettre de tout ou même pour obéir à lui-même.
Peuple Israël de refuser ça. Et l'Éternel a envoyé le prophète Esaïe pour annoncer au peuple là qui m'allait, qui captonne yo, si yo pas obéi. Moi-même avec vous à soir, si nous pas obéi, qui danger captonne nous? Lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, bon Dieu gagne une place pour nous-mêmes. Mais automatiquement, nous refuser obéir à la voix de l'Éternel, mais ça capte nous. Mais danger capte nous. Mais malheur capte nous. On ne nous pas fait même gens avec peuple Israël. Peut-être peuple Israël te manque de connaissance. Mais je dis à moi-même avec vous, nous avons plus connaissance de la parole de Dieu. Nous recevons un pile message. Nous tendons pile parole comment tout le monde, même le monde qui n'a pas de langage, le monde comme moi-même qui n'a pas de langage assez délié pour déchiffrer les messages, mais nous tendons quand même. Il y a des pasteurs, il y a des serviteurs qui mettent à la disposition pour faire tendre le message de la parole de Dieu pour convaincre nous. Et bon Dieu lui-même, lorsque nous, et nous tendons des paroles, nous refuser mettre en application de refuser d'obéir, et en conséquence, captons nous par la suite. Mais même avec vous, en nous mettant nous en disposition pour nous tendre des paroles, bon Dieu. Même Jean, l'Éternel te choisit, Esaïe, pour porter message au peuple Israël, parce que le peuple Israël là, t'es dans l'idolâtrie. Mais même avec vous, il doit choisir nous. Pour tes messages là-bas, c'est là où il faut qu'on connaisse mon Dieu. Il faut qu'on admette que l'Éternel, c'est le seul Dieu que nous sommes capables d'adorer sur toute la terre. En nous comprenant par là, le message Esaïe a peut-être, n'entend qu'elle te parlait, c'était pour le peuple Israël. Mais par là, je dis, il pour nous tous. Il pour nous tous. Parce que c'est même parole ça, on a puisé là-dedans pour nous capables de convaincre. Lesquels les plus durs, que monde qui dérefusait admettre, qui dérefusait accepter, bon Dieu. Même Jean Esaïe, l'Éternel te servi avec Esaïe, qui a servi avec aujourd'hui, pour tes paroles, ça, à tout le monde, qui a écouté lui. Que bon Dieu bénisse nous. Amen, amen.